Aïe, les chapistes, c'est l'heure du débrief. Ah ouais, quel débrief tu veux qu'on fasse? Ils ont chié. Mais bien comme il faut là, tu vois. Là, ces tocards là, ils ont bien chié. C'était même pas des tocards, c'est même pas des vendeurs de retard, pour te dire. Toi, démerdé, deuxième du top 14. Fallait le faire quand même. On est champion, champion. Ah non, mais ce soir on était bidon, on était bidon. Aïe, ah, les chapitres, c'est l'heure du débrief. Oui, vous verrez pas. Je vais faire le débrief. J'ai pas le micro. Mais je suis très en colère. En première mi-temps, on a joué que 5 minutes. En première mi-temps, 5 minutes. C'est pas une honte, tout ça. Ouais, la première mi-temps a été électrique. 5 minutes en première mi-temps. À la mi-temps, 8-3 pour l'USAP. Ouais, j'ai cru que c'était un score de plus. Nice, 8-3. J'ai cru que c'était un set de tennis. À un moment donné, faut arrêter. Alors, on revient en seconde mi-temps. Avec de meilleures attentions, on va marquer par Aurélie Joachim Ordedo, la toilette. On va remarquer par Maméal et Malou. Après, on va commencer à faire n'importe quoi. On va faire Sadek Devmash, bien sûr. Alors là, il va falloir, je vous souhaite un bon rétablissement. Force à toi, Sadek, car c'est une grosse perte pour le staff. Mais par contre, Matteo Rodor, il est rentré à la mêlée. Même une mouchée, elle va plus vite que lui. Je sais pas ce que vous prenez avant un match, si vous prenez du topotil ou du café, mais passez au Red Bull la prochaine fois. Vous êtes là, même un chamallow, il va pas plus vite que vous. Même un chamallow, il ira pas plus vite que vous. Alors, et faire des changements à la 60e minute, j'aimerais bien qu'on m'explique ça, messieurs. J'aimerais bien qu'on m'explique ça. Oui, j'aimerais bien qu'on m'explique ça, car on change tout le paquet d'avant. On sort Kosovo Tulagi, Christian, la Boutelée, tout ça. On change tout le paquet d'avant. Et quand on avait une bonne avancée en mêlée, on change tout. On tenait la mêlée. Oh, bim bam! Arletas a décidé de changer. Je sais pas, je suis pas coach, je suis pas. J'y connais rien, mais quand même, on voit qu'on était à peu près stable en mêlée. On change. Du coup, on fait des changements, on fait rentrer Kylian Galetier, Chenerou, tout ça. Mais ils ont été fantomatiques! On les a pas vus quand ils sont rentrés. Ils ont été transparents! Voilà. Alors oui, il y en a beaucoup qui disent l'arbitre ci, l'arbitre ça, l'arbitre. C'est pas la faute à l'arbitre, c'est la faute à nous-mêmes. C'est la faute à nous-mêmes. Alors comment vous voulez qu'on les intègre pas, mais c'est la faute à nous-mêmes. Ce soir, on avait l'occasion de prendre 5 points d'avance sur Pau. Malheureusement, ils sont allés gagner à Bayonne 30 à 20. Mais on l'a pas fait. Nous, on aime être dans le rouge. On aime le rouge. Maman, ces bandes de chèvres là. Pff, franchement, on avait le trait, on s'était ouvert le chemin pour pas passer dans le, pour pas éviter le barrage. S'il vous plaît, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Ce soir, c'est l'avenir de l'USAP en Pro D2. J'espère me tromper, mais c'est l'avenir de l'USAP en Pro D2. À guichet fermé, vous étiez, c'était à guichet, vous avez été tout le monde. Donc voilà, amis supporters de l'USAP, c'était le débrief face à Montpellier. Montpellier qui va s'imposer dans cette rencontre 22 à 23. Rien que le dire, ça mérite la gorge. Donc, amis supporters de l'USAP, si t'es fan de l'USAP et que tu veux rien louper de l'actualité de l'USAP, je t'invite à suivre mes vidéos, à partager mon débrief.
Et on se fera dans mon prochain débrief de l'USAP face à Toulon. On va rien lâcher jusqu'au bout. Mais j'espère me tromper. La place de l'USAP, elle est en top 14. On se doit de rester en top 14. On devait être 12e ce soir et non pas 13e. Je compte sur vous pour partager, pour vous abonner. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez bien. Et allez l'USAP.